Eh bien, le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un mode, les gars, tout simplement magnifique. Je peux pas en dire plus. C'est Black Chic Modding qui l'a créé. Vous le connaissez plus ou moins. Il est sur le modhub. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo du modhub pour télécharger ce magnifique mode, les gars, pour faire de la poupoule. Du coup, moi, j'ai commencé de mon côté. Parce que je voulais pas être trop bête. Donc du coup, avec le bâtiment, vous avez cette fabuleuse remorque Eco Egg, voilà, de chez Lizard. Là, ici, ce bâtiment, vous allez me dire, ouais, c'est un bâtiment. Ouais, mais ce n'est pas que un bâtiment. Alors, tu arrives là, tu peux commencer à descendre le rideau ou l'ouvrir. Voilà, on va partir un petit peu dans les explications. Et après, on verra tout ça ensemble. Ici, cette grosse boîte verte là, ça, c'est pour y mettre la nourriture. Pour l'instant, c'est cool. Là, ici, regarde, là, tu peux curer. Eh, tu m'entends bien? Là, tu peux curer les poules. Et ça, on va l'essayer tout à l'heure. Bon, tout ça sert à rien, hein, d'accord? Ensuite. Maintenant, on va se mettre par la fenêtre. Tu vas me dire, ouais, mais les mangeoires, elles sont hautes. Oui, c'est normal. Comme ça, quand tu viens curer, eh ben, t'es pas embêté. Mais regarde. Regarde où a été Black Chic Modding. Là. Tu cliques sur le bouton qui est là. Alors, attends. Tu cliques sur le bouton qui est là, forcément. Pourquoi ça marche plus? Tout à l'heure, ça marchait tout à l'heure. C'est quoi la blague? Ah, je suis peut-être pas en face du trigger, si? Pourquoi? Enfin, en fait, tu cliques là. Alors, je sais pas ce qui se passe. Parce que tout à l'heure, ça a très bien marché. J'ai dû oublier un passage quelque part. Bon, c'est pas grave. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors que tout à l'heure, ça a très bien fonctionné. Là, ici, tu peux ouvrir les rideaux pour que les poules, elles y voient plus clair. Et puis toi, ben, en même temps, tu consommes pas d'énergie pour les lumières. Là, ici, une fois que tes œufs, ils sont prêts, ils arrivent sur des cartons. Voilà, là tu mets. Il y a des cartons qui arrivent tout seuls en fait, tu vas voir, on verra ça tout à l'heure tranquillement. On va se faire ça tranquillement, les gars, moi je vous le dis. Et ensuite, là ici, tu cliques là-dessus. Ça active le tapis. En fait, tout est robotisé. Regarde. Regarde le carton d'œuf. Toi, il est poussé. Voilà, impeccable. Ensuite, là, alors tant que j'y suis, là, ici. Tu cliques sur le bouton, là, ici, ça ouvre, ça déplie cette goulotte. Et cette goulotte, tu vas voir, ça va remplir cette remorque. Si, voilà. Mais ça, tout ça, on va le voir. Donc, déjà, dans un premier temps, on va commencer à y mettre un petit peu de blé. Bon, forcément, j'ai pris un petit tracteur et une petite benne. Parce qu'il faut quand même se dire que. Voilà. Pardon. Tu peux quand même y mettre 500 poulets dedans. 500 poules. Donc celui-là qui veut faire de la poule, ça peut être intéressant. Moi je pense que je vais la mettre sur la ferme de lin. Ça va nous occuper 5 minutes. Mais bon, voilà. C'est pas le but du truc aujourd'hui. J'allume le tracteur et on est parti. J'appuie sur R. Je fais démarrer. On y met du blé. Voilà. Alors, tout à l'heure, tout a très bien marché. En fait, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. La porte là-bas, j'ai oublié un truc, je sais pas quoi. Bon, j'espère que cette vidéo va te plaire. Que n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu me connais pas. Voilà, ça fera toujours plaisir, ça fera toujours zizir. Et n'oublie pas d'aller voir mon partenaire Gportal qui a ouvert ses serveurs pour FS22. D'ailleurs, si tu veux t'offrir FS22. Et bah, tu vas sur le modhub et puis tu mets le code Olivier. Voilà. Donc là, ici, tu vides. Alors, faut faire attention parce que quand tu vides, là, je me suis aperçu que bah, y a des collisions. Et en fait, bah, comme d'habitude, la remorque a fait un peu ce qu'elle veut. Bon, c'est pas grave. On va essayer de le faire. Ah, bah, je n'avais pas vu qu'on pouvait allumer les lumières. Ah, bah, vous voyez ce que je vous disais il y a 30 secondes. Donc là, ici, tu as un interrupteur pour la lumière. Bon, forcément, la remorque et tout le basse-ringue, ça fout le bazar. Ça, c'est un petit peu chiant que les bâtiments, en fait, ils, je sais pas, alors, peut-être ma remorque, peut-être trop grosse, hein, tu me diras. Tu vas me dire, il y a des chances. Il y a des chances, il y a des chances. Donc, je continue à vider ça. On va aller voir où c'est qu'on en est. Tu vois que ça se remplit, il en faut quand même pas mal.
Tu vois, et je crois qu'avec une benne Mopu, il me semble que j'ai pas assez. Il faut en mettre beaucoup plus. Voilà, donc tu vois, là je suis vide et tu vois, il en manque un petit peu. Voilà, je te cache rien, je te fais tout voir. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Alors ça, on va le pousser de là. On va le mettre là. Voilà. Tac. On arrête le tracteur, on descend. Je monte dans ma 4L. Les fermiers en folie. Merci Marcus. Un petit rappel à Marcus quand même pas oublier notre ami Marcus hein, qui nous fait quelques mods. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ceci, que tu as fait cela. Alors tu recules la voiture, tu recules la remorque. Pour l'instant, tout devrait bien se passer. Tout à l'heure, j'y suis arrivé du premier coup, mais bon, en même temps, il faut que je tourne une vidéo pour que ça coince. La preuve avec la porte de tout à l'heure. Alors attends, hop. Alors je vais m'y reprendre parce que franchement, je suis pas doué. Merci de me le dire en commentaire, les gens, que je suis pas doué. T'appuies sur X, tu vois là-bas, ça s'ouvre. Alors tu attends un petit peu, voilà, ça finit de s'ouvrir. Là, alors attends, faut que j'aille voir si je suis bien mis quand même. Ce serait dommage que ça tombe à côté. Attends, bouge pas. Je pense que je dois pas être mal. Bon, après, on verra. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Là, maintenant qu'on a donné à manger aux poupoules, on va allumer le tapis. Alors, par contre, je sais pas si ça va monter. Alors, du coup, ce que je vais faire, on va pas s'embêter. On va juste se cheater un tout petit peu. Ah, vous me connaissez, c'est pas chez nous que ça se passe. On va faire une avance rapide. Je fais tout avec vous, les gens. Je fais tout avec vous. Allez, on se fait une avance rapide. Il n'y a plus d'espace. T'inquiète, t'inquiète, ça va pas tarder à arriver, Biloute. Hop, on va allumer un petit peu de lumière, qu'on y voit un peu plus clair. On va voir les cartons spawner normalement. Bon, tout à l'heure, ça a très bien marché. Forcément, il va falloir que je fasse une vidéo pour que ça coince. Mais voilà, impeccable. Voilà, les cartons, ils commencent à spawner. Vous avez pu le voir. Voilà, impeccable. On va attendre que ça en fasse un petit peu plus. Voilà, on a le temps, on n'est pas pressé, on n'est pas à 5 minutes près, hein. Voilà. Bon, voilà, pour moi, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, du coup, là, ce que je vais faire, ben, je vais mettre le tapis en route. Là, on va voir que les œufs, ils arrivent, enfin, les cartons d'œufs. Voilà. Walou, walou. Vous voyez, tout va bien pour l'instant. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Du coup, normalement, vous allez voir que, en plus d'avoir fait ça, regardez ce qui se passe, c'est que ça se rentre tout seul dans le camion. Voilà. Donc, pas besoin de s'embêter à mettre des palettes, à mettre un truc autoload, à mettre quoi que ce soit. Après, si tu veux le mettre à la main, bah, tu le mets à la main, hein, forcément. Alors, mets-le assez haut, par contre. Bon, des fois, ça. Bon, tu peux le mettre à la main. Bon, voilà, toi, ça va marcher, nickel. Donc, une fois que tu as fait ça, bah, après, tes neufs, bah, t'as plus qu'à aller les vendre, moi, je vais te dire. Alors, du coup, je vais ralentir un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, que tout est ok, bah, voilà, tu remontes dans ta voiture, tu refermes les portes. Donc, pas besoin de palette ni quoi ni caisse, hein. Il suffit d'amener juste la remorque nickel chrome. Ça se charge tout seul. Voilà. Bon, un petit peu, la remorque, elle est un peu lourde. Voilà. Donc, bah, une fois que tu as fait tout ça, que tu as été vendre tes œufs et tout le basserin. Bon, je coupe le moteur parce que ça fait du bruit. Voilà. Donc, ça, on a vu que tout marchait très bien. Bon, par contre, c'est sûrement bête cette histoire-là. J'y retourne quand même. Ah, voilà. Tu vois, regarde. Tu vois, il suffit que. Voilà. Donc, tu as vu, quand tu fermes la porte, les mangeoires, elles se mettent en bas. Et quand tu rouvres la porte, alors j'espère que ça va remarcher, oui, voilà, tu vois, hop, et là ça remonte. Bon, c'est un peu rapide, certes, là-dessus, on va pas se dire le contraire, mais franchement, ça marche quoi. Donc, alors moi qui vois pas trop clair, tu peux te descendre là s'il te plaît, moi qui vois pas trop clair, je mets un peu de lumière. Du coup, je vais prendre mon petit Massey Ferguson, hop, voilà, le 5610. On va aller curer les poupoules. Voilà. Bon, toujours pareil. Petit tracteur, hein, forcément. Hein, soyons fous. Pointe trop quand même. Pointe trop, pointe trop, pointe trop.
Vous savez quoi? On va essayer de faire un truc bien. On va essayer, on va essayer. Hop. Voilà. Et là, du coup, normalement, alors normalement, bah je sais pas, j'y arrive pas moi. En fait, je vois. Ah bah oui, forcément. Et oui, forcément. Forcément. Voilà, regarde. Et là, tu peux curer bah, les poupoules. Tu vois le truc? C'est cool, hein? Tu vois que tout va bien, tout marche bien. Tu vois que tout va bien. Allez, on va faire une petite marche arrière entre nous, entre potes. Voilà. Bon, ben voilà, moi je trouve ça franchement. Eh, franchement, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh, je la trouve quand même pas mal. C'est cool. Voilà. Bon, ben voilà, impeccable. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je crois que j'ai fait tout le tour, j'ai rien oublié. Les lumières, ça on a vu. Bon, ça ici on a vu. Ça, il me semble que ça c'est factice. Hein, d'accord, on est d'accord. Ça c'est factice, ça sert strictement à rien. Après tout le reste. Et une fois que t'as fini, bah tu viens là, regarde. Ah oui, alors attends. Oui, parce que moi je suis en train de prendre les œufs en fait. Regarde. Tu vois ce que je disais tout à l'heure? Toi. Et hop. Toi, ça se replie. Voilà, comme ça tu peux tout ranger propre. Toi, tu peux prendre tes cartons. Voilà. Voilà. Hop là. Oh bah oui, ça se vole. Ça vole. Voilà. Donc, pour ma part, moi, ce soir. Alors, attendez, les gars. Attendez, je prends mon calendrier. Parce que, si, ce soir, 21 octobre, je serai en live sur Twitch. Je vous mettrai la chaîne de Twitch dans la description sous la vidéo si tu veux me rejoindre. De temps en temps, il y aura du farming. Mais ce n'est pas une chaîne consacrée à Farming Simulator sur Twitch. D'accord? Là, je suis sur un autre jeu. Je suis sur un autre jeu. Et donc, on est jeudi. On est jeudi 21 octobre. Donc, le vendredi 22 octobre, on sera en live sur YouTube pour du Farming Simulator. Alors, est-ce qu'on va faire de l'ensilage? Est-ce qu'on va faire la ferme de lin? Mystère. Et moi, sur ce, je te dis, ben, abonne-toi. N'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, de nous rejoindre sur le Discord et tout ce qui va bien. Moi, je te dis bonne soirée, bonne journée, bonne fin de matinée, enfin, à l'heure que tu regardes la vidéo. Sur ce, allez, bye bye!